la vallée des rois. Et les ouvriers, en travaillant, ils ont jeté le sable, les déblés et les décombres juste au-dessus de la tombe de Toutankhamon qui est resté caché, camouflé des voleurs avec le temps. Toutankhamon, c'est presque nul du point de vue historique parce qu'il n'a pas eu le temps ni de faire événements importants, ni guerre, ni rien du tout. C'est un pharaon de la 18e dynastie, 14e siècle avant Jésus, c'est-à-dire presque 3400 ans de toutes les pièces que vous allez voir au musée égyptien. Mais il était presque nul de point de vue historique. Sa réputation vient seulement de sa tombe qui était trouvée intacte dans la vallée des rois. Et on a raconté comment, avec le temps, elle a pu rester cachée, camouflée des voleurs. Jusqu'à sa découverte qui était faite le 4 novembre 1922 par l'égyptologue anglais qui s'appelle Earl Carter, qui est venu ici en Égypte. Il a fait connaissance avec un lord anglais qui s'appelait Lord Carnarvon, très riche, qui finançait les travaux de fouilles. Il savait que la tombe de Toutankhamon était là et il reste à découvrir. Alors ils faisaient des fouilles, tous les deux. Ils ont travaillé pendant 5 ans, mais en vain, sans rien trouver. Et avant d'être désespéré, Carter découvre par hasard l'une des 16 marches qui devait accéder à la tombe de Toutankhamon, qui était en dessous, à côté de la tombe de Ramsès VI, mais en dessous. Et la découverte était le 4 novembre 1922. Imaginez-vous le moment de la découverte, Carter, il rentre en pleine obscurité dans cette petite tombe qui est considérée comme la plus petite tombe de la vallée des rois, mais la seule qui était trouvée intacte avec son mobilier presque complet. Imaginez-vous le moment de la découverte, Carter, il rentre en pleine obscurité avec une bougie à la main, et derrière lui, il y avait Carnarvon qui lui demandait « Voyez-vous quelque chose ?» Et l'autre, il était presque muet de la surprise. Il y avait l'éclat merveilleux de l'or partout, en pleine obscurité. Alors il l'a découvert à la lueur de la bougie. Et derrière lui, Carnarvon, il lui demandait « Voyez-vous quelque chose ?» L'autre, il était presque muet de la surprise. À la fin, il a pu répondre sa fameuse réponse « Des merveilles et des merveilles ». On a trouvé à l'intérieur, dans cette tombe, 2099 pièces du mobilier funéraire. Et lorsqu'on dit mobilier funéraire, ça veut dire tout ce qu'ils auront besoin dans l'au-delà après la mort. Comme ils croyaient à la résurrection et la vie éternelle, alors ils croyaient que dans l'au-delà, ils auront besoin de leurs vêtements, les bijoux, les lits, les coffres, tout ce que vous pouvez imaginer qu'ils peuvent avoir besoin toujours dans l'au-delà, ça a été amené et enterré avec le défunt dans sa tombe. Tout ça a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. C'est pour cela que sa réputation vient de sa tombe qui était trouvée intacte, malgré que lui, il était presque nul de point de vue historique, malgré que sa tombe, c'est la plus petite tombe de la vallée des rois. Dans la tombe de Toutankhamon, on a trouvé, dans sa chambre funéraire, on a trouvé 4 catafalques emboîtés les uns à l'intérieur des autres, comme les poupées russes. C'est-à-dire, c'est comme des grandes chambres en bois plaqué de feuilles d'or, et qui étaient trouvés au nombre de 4, emboîtés les uns à l'intérieur des autres. C'est avec des chambres avec des portes. On ouvre la porte de la grande, on trouve un deuxième à l'intérieur. On ouvre la porte, on trouve un troisième à l'intérieur. On ouvre la porte, on trouve un quatrième. Et dans le quatrième catafalque, qui est le plus petit, on a trouvé aussi un cercueil en granit qui à son tour abritait 3 autres cercueils avec la forme de Toutankhamon, qu'on appelle cercueil anthropoïde, c'est-à-dire avec la forme du défunt, avec ses traits de visage, et qui étaient trouvés aussi emboîtés les uns à l'intérieur des autres. Alors les 4 catafalques les uns à l'intérieur des autres, puis à l'intérieur un grand cercueil qui à son tour abritait 3 autres cercueils à la forme de Toutankhamon, emboîtés aussi les uns à l'intérieur des autres. Le plus grand et le deuxième, on les a trouvés en bois plaqué de feuilles d'or, incrustées de pierres précieuses, semi-précieuses, tandis que le plus petit qui abritait la momie, il était trouvé en or massif. Il pèse 111 kg en or massif, et vous aurez l'occasion de le voir au musée égyptien. Aussi, à l'intérieur de ce plus petit catafalque, de ce plus petit cercueil, on a trouvé la momie de Toutankhamon qui était trouvée presque carbonisée à cause de l'excès des huiles et des onguents. Et on l'a envoyée pour se soigner. Après ça, on l'a traitée d'une certaine manière, ça a été soigné. Et selon les derniers tests génétiques qui étaient faits récemment sur la momie, on a pu prouver que son père c'est Akhenaton, le premier monothéiste en Égypte. Ça c'est nouveau, c'est récent, on ne le savait pas. Et selon les derniers tests génétiques qui étaient faits sur les momies, on a trouvé que c'est Akhenaton, son père. C'est le premier monothéiste en Égypte. On savait que Akhenaton avait épousé la reine Néfertiti. Ils ont eu des...